la transition, la migration vers la TNT. Le directeur général de la Société ivoirienne de télédiffusion, l'IDT, était face aux journalistes hier, mardi, à Cocody. Il a fait le point sur la couverture de la TNT, la télévision numérique terrestre, sur le territoire ivoirien. Et il a invité les Ivoiriens à se préparer à l'extinction du total du signal analogique d'ici à la fin décembre 2021. Pierre Dipomela et Tanguy Conan. La Côte d'Ivoire s'est engagée à achever la migration vers la télévision numérique terrestre, TNT, au plus tard le 31 décembre 2021. À ce jour, c'est plus de 85% du territoire national qui est couvert. Le déploiement de la TNT se poursuit. 23 sites sur 35 ont été mis en service. Après plusieurs reports, le directeur général de l'IDT, l'organe en charge de l'extension de cette nouvelle technologie, rassure que la date de l'extinction du signal analogique prévue pour décembre 2021 sur toute l'étendue du territoire sera tenue. On a démarré difficilement donc, les travaux de déploiement de la TNT, pas simplement par notre simple faute, hein, effectivement. Il y avait toute la préparation de la stratégie de mise en place de la TNT. Bon, ça a pris un temps. Ensuite, les appels d'offres également. À un moment donné, donc, nous, on avait déjà démarré. Toutes les infrastructures techniques étaient mises en marche. Malheureusement aussi, je crois que les chaînes n'étaient pas prêtes. Avec l'arrivée du ministre de la Communication, il a donné en tout cas un grand coup, une grande poussée en tout cas à toute l'opération. Et c'est donc ce qui fonde en tout cas mon espoir que cette fois-ci sera vraiment la bonne. Il faut éteindre le signal analogique avant la fin de l'année. Ça, nous sommes convenus là-dessus. Et donc, je peux vous le confirmer et ça se fera. La TNT a été officiellement lancée en Côte d'Ivoire en février 2019. Son déploiement a été ralenti par plusieurs facteurs, dont la pandémie de COVID-19. La TNT offre une meilleure qualité d'image et des services innovants, comme la vidéo à la demande VOD, l'enregistrement des programmes, la diffusion de plusieurs chaînes de télé sur une seule fréquence.